citoyens au gouvernorat du Nord Kivu, avec la participation des partenaires humanitaires suite à l'éruption du volcan Nyiragongo survenu le samedi 22 mai 2021. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Komba Constant, porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que nous sommes encore dans la phase rouge qui conditionne l'application des mesures définies dans le plan de contingence. À cet effet, les actions prioritaires ci-dessous ont été retenues. Évaluer la situation humanitaire dans les hôpitaux et d'autres structures de santé. Évaluer les mouvements de la population. Poursuivre la surveillance des mouvements tectoniques du volcan. Sécuriser davantage la ville de Goma, ses environs, les zones d'évacuation et leurs voies d'accès. Centraliser les informations et les partager avec le monde. Évaluer la situation humanitaire globale liée à cette catastrophe et proposer les mécanismes d'accompagnement. En conséquence, au regard des tremblements de terre qui s'amplifient davantage, il est demandé aux parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à nouvel ordre. Fête à Goma, le 23 janvier 2021, Ndima Komba Constant, lieutenant général.